Yo les petits potes, c'est Rookie. Aujourd'hui, petit gameplay avec le kit Jack Patriot sur la M16 qui la rend full automatique. Et franchement, ça fait plaisir de voir la M16 qui a un niveau très correct avec ce petit kit de conversion. Parce que jusque-là, c'était clairement pas une arme qui était jouable, on va dire. Donc voilà la classe que j'ai utilisée. Je vais vous montrer donc du coup le kit hein, qui transforme du coup littéralement la M16 en fusil automatique. Ça baisse les dégâts, mais à côté de ça, on a un peu de contrôle de recul, et puis surtout, elle est vraiment pas mal, je trouve. J'utilise en support sniper, donc ça, c'est 60 cartouches parce que je faisais aussi du solo trio, mais après, là, dans le gameplay, c'était solo versus solo. J'utilisais quand même le 60, mais vous pouvez passer sur du 45 si vous êtes en solo. Poignée soutien Bruen, bah, tout ce qui est contrôle du recul, hein. Compensateur réducteur flash ZM35 pour la même raison. On peut opter pour un silencieux, le Spirit VT 7 Fire, là je sais plus trop comment il s'appelle, non, VT7 Spirit Fire, pour augmenter la vitesse des balles si jamais vous avez une bonne capacité à contrôler le recul de base. Et puis après, pour le viseur, vous mettez celui que vous voulez. Moi j'ai pris le réflexe quarter classique hein, parce que je l'adore. Voilà, j'espère que vous kifferez bien le gameplay. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Para com você. Toda a missão, para. Para.
voie est libre.